Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hard Time. Et je suis désolé, je commence avec une mauvaise nouvelle. On recommence le perso. Parce que la dernière fois, j'ai dû quitter le jeu d'une manière un peu brusque. J'ai dû faire Alt F4 ou un truc comme ça. Et le jeu n'a pas aimé. Il a supprimé ma sauvegarde. C'est pas très grave, sachant que bon, la vérité, on a commencé le jeu avec 40 jours de peine. Et on a fini la vidéo avec 40 jours de peine. Tellement à chaque fois, on se foutait dans la merde. Ça veut dire le temps passé, les jours passés, mais les embrouilles passaient également. On se tapait des procès avec des gardes, toi-même, tu sais. Et ouais, ils nous rajoutaient des 2-3 jours à chaque fois. Donc ouais, on recommence, on repart sur de bonnes bases. Et voilà, effectivement, là, on a fait la découverte. On sait comment ça se passe dans la prison. Maintenant, on a l'expérience. Et surtout, la prochaine fois, je ferai attention quand je quitterai le jeu. Donc voilà, même profil, wesh, la même gueule. C'est juste que là, on sera dans un bloc différent. Voilà, musclé, tout ça. Bref. Voilà, donc accusé des mêmes faits, yari. Donc là, c'est les bails de vol. Donc vol, c'est même pas vol à main armée, c'est un vol sympathique, tu vois. Allez, donne ton verdict, yari, donne. Donne le frérot, alors. C'est combien? Oh non, ils m'ont reconnu coupable encore une fois. Putain, ça ne paraît pas comme un séjour qui est long, mais tu vas avoir un moment difficile. Tu connais, bref. Ça, c'est magnifique, cette pause. Bon, bah, c'est vrai, les chai, ouais, non. Il fait des conneries, mais j'y vais, j'assume comme un bonhomme. Je suis un bonhomme ou pas? Je suis un bonhomme. Donc voilà, comme tu sais, on vient de débarquer, les chai. Ça fait plaisir. Et cette fois-ci, voilà, on va essayer de pas trop se foutre dans la merde. Il faut que je me réhabitue aux touches, là. Comment on fait pour courir? D'accord, c'est comme ça. Ça, c'est pour taper. Ça, c'est pour attraper. Ça, c'est pour ramasser des bails. Ok, donc là, on a été affecté au West Block. On va aller voir le bloc, comment ça se passe. J'espère qu'on a des copains de cellules sympathiques. La dernière fois, j'étais avec un frérot. Ma foi, voilà, un peu chiant, je vais pas te mentir. Oh, il y a encore un mec avec une mitraillette dans notre bloc. Est-ce que tu sais ce qui va se passer ou pas, le Rey? Moi, je sens qu'on va bien s'amuser avec ça. Alors, comment ça se passe dans l'espace? Tranquille. Personne me tape les Rey, sinon je vous jure, je vais m'énerver de fou. Donc, c'est comme la dernière fois, plus ou moins. On a été affecté à un bloc. Notre cellule, elle était là. Et là, c'est notre cellule, tu vois ce que je veux dire? Et on peut rompicher, effectivement. Pendant que des gens sont en train de... Bah, ils sont en train de gambader, on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'emmerder? T'as intérêt à bouger? Décale, décale, décale. Non, on va pas rester endormi, parce que quand tu t'endors, les gardes, ils s'énervent contre toi. Et après, tu peux te retrouver face à un juge juste parce que t'as pas obéi. Mais c'est quoi, ça? C'est une hachette? Je rêve ou c'est une hachette? Attends, oh, une pioche. What the fuck, man? Qu'est-ce que ça fait dans mes mains, ça? J'ai relâché. Alors, rappelez-vous les chai, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez pu voir que vers les 3 quarts, j'ai découvert l'utilisation des cheats. Enfin, j'ai découvert comment les utiliser. Ça, c'est différent, c'est vrai. Mais, du coup, là, on va essayer de en profiter. Voilà, on a une santé au maximum. Intelligence maximum, parce que c'est très réaliste, là. Il faut dire la vérité. Reputation. Voilà, voilà, là, on devient très agile. Incroyable. Regarde comment on court vite. Là, on a fait énormément de sport, les chers. En fait, il y a une option qui permet de voler. De voler, je parle pas de voler, voler des objets. On peut l'éviter, quoi. Il m'a dit, hey, frérot, ta peau est blanche, mais tu la laisses pas briller. Pourquoi est-ce que tu rejoins pas notre groupe et nous aider à purifier cet endroit? Eh, mais c'est un bail de race. Si ça. Non merci, ouais, j'étais un malade toi. Ou bien t'es avec nous ou bien tu es contre nous. Bah je suis contre toi mon ref, c'est quoi ça? Regarde ta dégaine commentée. Des propositions très bizarres ma foi. Ah vas-y, essaye de me taper. Vas-y, fais-toi tirer dessus, c'est bien ça. Pour une fois que c'est utilisé à bon escient cette mitraillette là. Attends, du coup j'ai un copain de cellule ou quoi? J'espère qu'il y a personne qui va débarquer ici au milieu de la nuit et me dire "Eh Roya, je peux dormir avec toi." Déjà c'est enfermé, ok nickel. Ok man. Mais je crois qu'avec notre pouvoir de lévitation, on peut sortir d'ici. On peut voler un peu, regarde. Oh mais merde, je peux pas quitter ma cellule comme ça. On aurait pu si... Bah, s'il n'y avait pas de plafond. D'accord, mais là, je t'avoue, je suis un peu bloqué, là, ouais. De bon matin, je vais le fumer, lui. Je vais le fumer, enfin, je sais pas pourquoi. Mais je préfère le fumer avant qu'il me fume, moi. Parce que la dernière fois, on a vu comment ça s'est passé. On s'est pris des hagras. On va pas attendre qu'il y ait une hagra pour que... Voilà, quoi. Je vais me lever avant que ça sonne, khoya, avant que ça sonne. Voilà, beau gosse. Je suis levé, khoya, je vais te fumer. Voilà, voilà, c'est ça qu'on aime. Allez, qu'est-ce qu'on mange de petit matin? Voilà, c'est bien. Il y a déjà quelqu'un qui a entamé le taf. Il y a quelqu'un... Wow! Oh, c'est un malade. Oh, c'est un malade. C'est pas mal ce qui se passe. C'est pas mal. Attends, moi, je passais juste par là. Voilà. Les choses se passent. Il est où le garde? Toi là, t'es un raciste. Je crois que je l'ai tué. Attends. Non, je suis pas là. Non. Il m'a dit, ouais, j'ai vu que t'as fait des bails avec la machine gun, je sais pas quoi. Tu ne devrais pas avoir ça. Attends, viens, on se déplace. Là, je suis en train de voler. Il m'attrapera jamais. En fait, tant qu'il t'a pas attrapé, ça compte pas. Du coup, voilà. Non, je vais pas laisser tomber. Je dis que c'est à moi. Non, ouais, je suis un magicien, c'est pour ça que je l'évite. Voilà. Vite, avant qu'il m'attrape. Il court vite. Voilà, je tenue que... Voilà, je t'attends ici, frérot. Vas-y, viens. Je vais le fumer, le garde. Je vais le fumer. Viens par là. Non, viseux.
Vise le voile. Voilà, c'est bien. Voilà. Non, il va encore vouloir nous rechoper. Là, je suis en train de voler. Regarde, il veut me choper. Faites très gaffe. Non, lui. Voilà. Oh, il est mort. Aïe. Non, il est pas mort. Mais il veut pas crever, lui. Là, c'est incroyable ce que tu peux faire avec un gun. C'est dommage, ils ont pas des bails de bombes ou je sais pas quoi, tu vois. Voilà, il arrive pour nous. Mais en fait, là, le frérot, il nous protège ou quoi? C'est bizarre. Il lui empêche vraiment de passer. C'est quoi ça, wesh? C'est bon. Enfin, j'ai débloqué. Oh putain, maintenant je me suis fait un autre ennemi. Non. Vas-y, non. Il va nous choper. Non. Oh putain. T'aurais pu tuer quelqu'un avec ça, je sais pas quoi. Mais comment il est encore vivant? Regarde comment il est amoché, c'est pas possible. Là, je crois qu'on va prendre 5 jours. Peut-être même 10 jours. Ou un mois, je sais pas combien. La hagra, ça paye pas, hein. Vraiment, ça paye pas. Voilà, je préfère vous le dire. Bon, regarde, il a été tout soigné, tout ça. Cet animal a été trouvé avec une machine gun. Voilà, il a essayé de faire mal aux gens. Non, j'ai fait de mal à personne. C'est juste que c'est arrivé que voilà, à ce moment-là, j'avais ça dans les mains. Ok, ben littéralement, là, je sais déjà comment ça va finir. Parce que de toute manière, la dernière fois qu'on avait genre une mitraillette ou même un gun, ils disent ouais, t'as pas le droit d'avoir ça, t'es un prisonnier, t'as pas à avoir ce genre de truc sur Watt. Bah ouais, c'est en faveur de lui, bah tu m'étonnes. Mais du coup, je vais prendre combien de jours en plus là? Oh putain, il me rajoute 9 jours. Oh yo yo. Et donc là, on est à 49 jours, l'Ikhei. C'est pas très agréable, mais on va pas se laisser abattre. Puisque de toute manière, je connais des gens dans la prison, peuvent me réduire ma peine. Voilà, enfin pas dans la prison, dans le système judiciaire, bref, t'as capté. Alors ouais, parce qu'en fait, avec les cheats, on peut baisser la peine. Là, carrément, je pense qu'on peut même être un homme libre tout de suite au moment où je vous parle. Mais bon, ça tue un peu le fun, je peux pas vous mentir, c'est vrai. Mais là, c'était juste pour s'amuser un peu. Oh, regarde, subhanallah, là, il est blessé de ouf. On sait tous que la justice a été faite dans cette, je sais pas quoi, bref. Raconte pas ta vie, mon rêve, raconte pas ta vie. On va finir le travail qu'on a commencé. Voilà, c'est ça qu'on veut. Tu me choperas pas. Vas-y. Essaye pas de me tester, Khoya. C'est moi le boss ici. Vas-y, lui. À droite. Mais non. Enfin, à gauche. Raconte pas ta vie. Il a repris sa mère. C'est trop compliqué, je vous jure, c'est trop chaud. Regarde où je suis là maintenant. Ça va être compliqué de tuer qui que ce soit au départ. Déjà, je pense la dernière fois que j'ai tué un garde, c'était de la chance de ouf. Donc là, voilà quoi. Là, c'est pas cool ce qui se passe. Ah! T'as vu maintenant, c'est lui! T'as vu? Ah! Il veut la hagra! Il veut me faire une hagra! Oh putain, non, c'est pas vrai. Je l'ai même pas attrapé! Je l'ai attrapé tout à l'heure, l'arme. C'est pas maintenant. Oh non. Putain, je vais encore prendre 9 jours là. Putain, j'ai rien fait, littéralement. Certes, j'ai tenté. Mais c'est pas arrivé genre comme on aurait souhaité, quoi. Toujours des problèmes avec des gardes. Et en plus, à la base, genre vraiment, on était bien intentionnés, tu vois. Vraiment. Si les choses seraient passées comme on l'aurait souhaité, oui. Genre vraiment, on se serait contenté juste d'un meurtre du garde. Et c'est tout, on aurait été content. Mais là, il a fallu qu'ils tiennent tête, qu'ils disent bah non, j'ai pas envie de mourir, et je reprends mon arme et je te fais arrêter et tu prends 9 jours. Et c'est là que ça a commencé les problèmes. C'est là que ça a commencé l'animosité. Éteint. Quoi là, c'est... Oh, j'ai gagné. Oh, ça déchire. Lourd, incroyable. Donc là, apparemment, il y a aucune preuve comme quoi ça a été utilisé pour un crime, tu vois. Le fait que je portais un bail. Et même tout court que je portais un bail. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Non, c'est bien. Là, on a gagné. Mais après, il y a des mecs qui vont nous dire « Ouais, Khoya, mais t'as pas eu 2 jours de prison en plus. Ça veut dire que t'es une pouka ou t'es quelqu'un de bizarre. » Non, me parlez pas. Vas-y, tu as vu, ils disent que je suis un snitch. Tiens, fatigué, toi, dégage. C'est bon, de toute façon, je me taille de ce bloc. Vous m'énervez. La prochaine fois, je te jure, je vais dormir dans un autre bloc. J'en ai marre. Je reviens plus ici, mec. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les Khey? D'accord, jusqu'ici, tout se passe bien. Oh putain, je dis ça, il y a un mec qui va. On dirait il va l'attaquer, lui. Ah ouais, les choses se passent pas très bien, en fait. Non, ça va. Ça va, il est pas mal intentionné, il est juste un peu maladroit. C'est un problème de langage corporel, frère. Je sais pas, les Khey, vous faites quoi? Concrètement là, vous allez vous battre ou... C'est un peu chelou, je vais pas te mentir. Eh frérot, j'ai entendu que t'es ici pour vol. Je suis sûr que tu ne l'as pas fait. Moi j'ai été accusé de deal. Il a dealé de la gueudro apparemment. Comment ça je suis sûr que tu l'as pas fait? Tu dis ça en mode comme ça j'ai une réputation de merde ou quoi? Ah, ça commence les problèmes. Alors toi déjà, Khoya, je sais pas si j'ai envie d'être ton pote. Tu te fais soulever par des gardes. Bon, il faut dire aussi la vérité. La dernière fois, on s'est fait soulever de fou par des gardes. Des techniques de catch et tout ça, tu vois. Une guerre civile, le bail. Est-ce que ça se passe réellement comme ça en prison, les Khey? Franchement, je ne sais pas. Et j'ai pas trop envie d'avoir une confirmation, mais voilà quoi. Ça me rappelle, j'avais regardé une émission. Des gens, en fait, qui participent à comme un truc d'information. Donc, ils se font passer pour des détenus. Et au final, ils doivent essayer
essayer de survivre dans des blocs, donc en prison, tu vois. Et il y en a des fois qui jouent tellement bien le jeu qu'au final, eux-mêmes, ils deviennent presque criminels, tu vois. Ils veulent trop, genre, se fondre dans la foule qu'au stade, bah, limite, ils méritent leur place là-bas, tu vois. Ok, le dîner est servi. Il faut ramener des informations et dire, voilà, alors lui, je sais que c'est lui qui gère l'entrée de contrebande, c'est lui qui gère ci, qui... Bref, des trucs sombres. Là, mais même les gardes, ils se tapent entre eux, mais c'est pas possible, les reilles. Oh, mais lui, il est mal, hein. Oi, 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 oi. Alors, mon ref, bienvenue à la jungle. Je suis un membre des Powers. Ok, donc si on a besoin d'aide, il peut peut-être nous aider. Non, c'est vraiment pas mal. Ça m'intéresse. Moi, je veux bien, tu vois, devenir le boss. Ça veut dire que des relations de ouf. Le mec qui a le bras long. Limite, les gardes, c'est eux, ils taffent pour lui, mon ref. Alors, donc ça, c'est study. Study, c'est horrible. Les reilles, t'es là avec des livres. Et au final, t'as des mecs, ils te montent sur la table. Ils commencent à te parler mal. Ils disent, ouais, bouge de là, je sais pas quoi. Alors qu'on a juste envie de s'instruire. C'est très difficile, hein. Ah, c'est vrai, la cantine. Oh, la cantine, c'est toujours la guerre là-bas. Des fois, il y a des dynamites, c'est pas mal. Ah, là, on peut faire exercise. Donc là, littéralement, on peut sortir d'ici. Regarde, là, techniquement, regarde-moi ça. Ah merde, on peut pas sortir d'ici. Oh bah si, voilà. Ça va ou quoi, les reilles? Je suis de l'autre côté. Est-ce que ça vous fait réagir ou pas? Ouais, malheureusement, il y a un truc avec la caméra. Ouais, on peut vraiment pas se tailler dans la ville. Ouais, non, je vous dis, c'est un papier peint, les reilles. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ok, donc là, on est vraiment à l'extérieur de la prison. À ce qui paraît, genre dans la version 2D de ce jeu, parce que oui, il y a une version 2D. À ce qui paraît, on peut vraiment s'enfuir, je crois, à partir des grillages ici. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est un peu dommage qu'effectivement, là, on peut vraiment pas s'enfuir. Alors ça aurait été vraiment bien, tu vois. Il a une cigarette dans la main. Je pensais même pas qu'il y avait des cigarettes dans le jeu. Mais une cigarette sans prison, c'est comme une cigarette sans briquet. Bon, on a assez fait de bail ici, les chéens. Hein. On peut re-rentrer. Rien de très intéressant, ma foi. S'il y avait des guns, des bails de lance-roquettes, tout ça, ça m'intéresse. Autrement, non merci. Attends, peut-être qu'à l'hôpital, on peut trouver des trucs. Enfin, l'hôpital, l'infirmerie. Parce que je me rappelle, dans les douches de l'infirmerie, on pouvait trouver de la dynamite. Pourquoi? Je sais pas, mais il y en avait. Donc effectivement, je sais pas si vous avez vu le dernier épisode, mais ici, tu peux accéder aux informations de tous les gens, regarde, dans la prison, même les gardes, même des fois le juge, ouais, c'est trop bizarre. Tous les gens qu'on a déjà rencontrés ou auxquels on a déjà parlé, on a une photo d'eux, tu vois. Donc au final, il reste beaucoup de gens qu'on n'a pas rencontrés dans cette prison. Plus on fait des interactions, mieux c'est. Et peut-être que c'est comme ça qu'on fera des rencontres très intéressantes de type gang. Intéressant. Alors effectivement, est-ce qu'on va... Ok, c'est la douche. Ok, il y a un nouveau mec qui est... Donc souvent, il y a des gens qui rejoignent et des gens qui sortent, des fois. Mais on s'en fout un peu, tu vois. Alors mon ref, bienvenue ici, mon ref. Alors, il se passe beaucoup de trucs bizarres ici. Alors déjà, je te le fais pas dire. C'est le seul endroit où il n'y a pas de gardien ici, donc tu peux faire ce que tu veux. D'accord. C'est intéressant. Je suis pas rassuré du tout, mais d'accord. Au moins, je prends une petite douche, voilà. Ça fait plaisir. Commence pas à me taper, le ref. Sinon, je vais partir direct. C'est bon. Oh, alors j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes. Il y a un sabre. Ok, donc là, on peut limite assassiner quelqu'un gratos. Voilà quoi, mais on va se faire des ennemis si on fait ça. On va se faire des ennemis, je pense. Et c'est pas comme si on était seul. Et les gens ici, ils ont des amis. Si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, si tu touches un mec, il va dire, ah bah, écoute, je suis le pote à l'autre. Tu l'as touché, je sais pas quoi, je suis énervé, blablabla. Mais là, au moins, voilà quoi. J'ai pas envie de m'attaquer à la mauvaise personne. Mais au bout d'un moment, roya, on est en prison, il faut savoir se défendre. Et je me suis senti agressé par l'autre mec. Enfin, attention à toi, on n'aime pas les blancs par ici. Ok, man. Intéressant. Ah, d'accord, déjà. Ok. Bon, je me suis fait soulever direct. D'accord. J'ai absolument rien fait. Ma simple présence a suffi. Ok. Toi, t'es mon chey. Mais l'autre, là, c'est pas mon chey. Bouge de là! Oh non. Il y a des gardiens qui lui en veulent. Ah, il veut me payer 950$ pour que je déglingue un gardien? Wow, c'est chaud, ma gueule. Franchement, bon courage. Oh là 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 là. Mais c'est horrible ce qui se passe là. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas ça. Mais je venais te protéger, Khoya. Toi, t'es là, tu me dis dégage. Je comprends, on est dans quel genre de prison ici? Mais c'est un malade, lui. Un coup, il veut me donner 950$. Un coup, il me demande si je veux acheter cette brique pour 7$. Mais non, ma gueule, je m'en fous. Eh, vas-y, mon ref, toi, t'es un peu chelou, hein. Tout le monde, cours pour sa vie. Wesh, il a un sabre. Ouais, c'est vrai, j'ai un sabre. Attends, c'était lui, le mec, qui m'a dit des bails méchants? Attends, Khoya. Vas-y, par terre. Oh non, j'ai pas envie de me laisser avoir. Toi dégage, Khoya, j'ai pas envie de te faire de mal. Restaure de tout ça. Oh non, s'il attrape le sabre, je vais pas aimer. Hein. Je suis très fort, très fort. Je sais me faire respecter quand il le faut. Laisse-moi tranquille. Oh non, il m'a retourné. Dégage. Aïe, ça devient très intense. Eh, hey, tu crois que t'es un bonhomme parce que t'as pris de la tôle pour vol? Mais en fait, non, ça ne vaut rien apparemment. Ok. Il a dit, frérot, moi je suis là pour meurtre, alors tiens-toi à carreau. Bon, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des menaces? Oh non, il a pris mon sabre en plus pendant qu'il me parlait d'autre. Rien d'intéressant en plus. Donc là, on est en train de s'embrouiller, on ne sait pas pourquoi. J'ai envie de tuer quelqu'un là. Il faut que je tue quelqu'un depuis que je suis dans cette tôle. Ça peut plus aller. Ah, il y a des gens qui pleurent, des larmes, du sang, c'est ça qu'on aime.
problème. Toi déjà, arrête avec ton sabre. C'est mon sabre à la base. Allez, toi, tu restes par terre. Tu restes par terre. Laisse-moi tranquille. Oh, il est mort. Je crois il est mort. Le bleu là, je te jure, il est mort. Vas-y. Oh mon dieu. Ok, là, j'ai envie de tuer tout le monde, les reilles. Je sais pas ce qui me prend, j'ai envie de tuer tout le monde. Il est où le sabre? De toute façon, il y a pas de gardien. Personne peut témoigner. Ils sont les deux sur moi là, j'aime pas. Hein. Reste par terre. Reste à terre. Toi aussi, reste à terre. Allez. Toi aussi. On est très énervés, on est tous très énervés. Est-ce que tu me laisses tranquille pour 150$? J'ai pris de la tôle pour meurtre. Bon, d'accord. C'est pas grave. Tranquille. Je vais le buter, sa mère. Je vais le buter, j'en ai rien à faire. Tu croyais que j'allais te laisser tranquille, Khoya? Il faut jamais faire confiance. Il en pouvait plus, en fait. Il était en train de déclarer forfait. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, donc lui, il veut être mon ami, maintenant. Ok, si tu veux. Je veux bien être son pote. Parce que on n'a pas commencé sur de bonnes bases. Vas-y. Je suis là pour faire des amis, quand même. Voilà. Maintenant, c'est mon pote! C'est trop cool, je suis content qu'on soit venu dans la douche. Parce que vraiment, bonne ambiance, comme tu peux le voir. Non, franchement, je reviendrai souvent ici, la vérité. Parce que, franchement, tu peux foutre la merde de ouf, y a personne qui va te parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh non, quoi? Comment ça, je suis wanted parce que j'ai tué quelqu'un? J'ai tué personne! Non. J'ai tué personne! Oh mon dieu. Je sais que tu as été responsable de la mort de Young Boy. Wesh, on dirait le nom d'un rappeur. C'était un bon ami à moi. Je te laisserai pas tranquille tant que tu feras pas je sais pas quoi. Bah rattrapez-moi si vous pouvez, rattrapez-moi, je vole. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils essayent de me choper. Et je crois que s'ils me chopent, c'est procès directement. Et voilà, je vais pas kiffer, je vais pas vous mentir. Moi je te dis, dès que je descends là, faut que j'y aille direct. Vas-y, battez-vous. Battez-vous entre vous. Et qu'est-ce qu'il fait lui à l'infirmerie encore? Voilà, je m'échappe. Vite. On part. Ouh, oh, c'est chaud. Là, faut pas qu'on se fasse choper par. Mais pourquoi je suis parti dans la douche? Je voulais pas faire ça. Moi, je pensais que c'était dans le hall, tout ça, tu vois, mais pas du tout. Et si j'essaye de sortir, bah, je peux me faire choper par des gardes. Et je vais prendre la tôle. Attends, on va ressortir en espérant que les mecs, ils me chopent pas directement. J'espère trop. Ah, ils veulent me choper. Ça a été lockdown pour la nuit, Khoya. C'est le confinement, faut que tu te tailles. Je sais. J'ai envie de me tailler, Khoya, mais bon, laissez-moi tranquille. Cours, on y va. Ils sont en train de se battre. Je sais pas pour quelle raison, mais ils se battent. Là, je pense que c'est trop tard. Hein. Yeah. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Oh mon dieu. Nous c'est West Block les gars, West Block. Donc West, c'est là West. Oh merde, c'est pas là. Attends Khoya, attends, c'est là. C'est West Block. Allez, on se taille. J'ai envie de partir directement dans ma cellule. J'espère que ça y aura pas une alarme partout là quand même. Oh non, bah si. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je paye 650$ et je suis pardonné pour le meurtre. Ok. Vas-y Khoya, ça en vaut la peine. Finalement, tu n'es pas le mec que je recherche! Putain, c'est lourd. Franchement, je pensais pas qu'on s'en sortirait comme ça. Sachant qu'on a tué 3 hommes, je crois. Voilà, Khoya, c'est bon, j'y vais. Merci beaucoup. Attention, prisonnier N003, qui était connu en tant que Young Boy, a été retrouvé mort. Aïe, c'est dommage. Franchement, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah, voilà, bah oui. Malheureusement, pas de témoins. Donc on ne sait pas du tout les circonstances de sa mort, mystérieusement mystérieuse. Nos condoléances à sa famille, M'saken, voilà tout ça, bref, tu connais. Le baratin habituel alors que je viens de soudoyer un de vos employés, vous en foutez. Encore, ah bah ça c'est l'autre, Escobar, c'est un autre que j'ai tué apparemment, d'accord. Alors Escobar, les gens ils s'en foutaient, par contre Young Boy, vu que ça sortait des gros sons drill, les gens ils sont attristés. Mais quand t'es pas connu, c'est pas grave. Normalement il y en a un troisième que j'ai tué. Hein. Ah Khoya, là il faut rectifier tes bails. Alors tu vas te fermer toi j'espère ou pas? Non, il va pas nous faire chier lui, pendant la nuit, ça va. Parce que c'est lui avec lequel on a eu des problèmes au départ, rappelle-toi. Il y a des gens, ils sont en train de se taper là, c'est pas possible. Restez tranquille, 2 secondes, non? Attends, je te vois toi venir. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu méritais de te faire crucifier par le juge. Vas-y, qu'est-ce que tu vas me faire encore? Oh là là. S'il n'y a pas de justice dans la cour d'assises, dans ma prison, il y en aura. Je crois qu'il va devenir embêtant avec nous. Je vais faire de ta vie un enfer. Ah, vas-y ma gueule. Est-ce que ça veut dire que tu vas me taper? Non? Ok, bah vas-y, Khoya. Pars de ma cellule, s'il te plaît. Ce serait gentil. Ah si, il voulait me taper, en fait, mais il a réagi en retard. Franchement, on est au top, là. Hein. C'est incroyable. On a tué des gens. Il n'y a aucun souci. On s'est fait des amis par la même occasion. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un garde qui veut me parler, là? Eh, frérot, je sais que tu as été responsable de la mort de Kid Gloves. Kid Gloves, ça veut dire les gants d'enfant. C'était un pote à moi et je ne serai pas tranquille tant que tu n'auras pas payé pour ça. D'accord. Bon, en attendant, on est quand même amis, non? Ouais, on est amis. Tranquille. Ok, non, on n'est pas amis, c'est pas grave. Non, en tout cas, une chose est sûre. Si je vais tuer des gens, je vais essayer vraiment de toutes mes forces que ce soit pas des gardes. Parce que si tu tues des gardes, t'es dans la merde. Si tu tues des prisonniers, ça passe. Tu peux toujours t'arranger. Si tu tombes sur un garde corrompu, c'est tranquille. Ah, donc ça, c'est un pote. Salut, Khey. T'as vu, c'est bien, hein. Ah, il m'a dit merci d'avoir tué Kid Gloves. J'aurais bien voulu le faire moi-même. Donc maintenant, on est potes. C'est bien, en fait. Finalement, tuer des gens, ça paye. Ok.
Intéressant. Non, mais regarde ce qu'il fait, le garde. C'est pas possible, wesh. Aïe, aïe, aïe. Attends, il est bizarre, lui. Il fait quoi hein? Moi, c'est pas un problème. Regarde, miskin, la hagra, elle est réelle. Mais ça se fait pas, wesh. Pourquoi tu fais ça, toi? Vas-y, interviens, c'est bien. Voilà, voilà, c'est bien, les chèvres. Voilà, voilà. Ne vous laissez pas faire. Wesh, tu vas me taper? C'est qui je suis? Écoute, frérot, je comprends que un prisonnier doit faire du sale pour survivre ici. C'est pour ça que j'aimerais t'aider. Donne-moi 100 dollars et je te laisserai tranquille pendant une heure et quelques. Ah, ça veut dire que si j'ai envie de foutre la merde, il va rien faire. Ok, ouais, c'est pas mal. Il a dit juste reste loin des autres gardes. Ça veut dire lui, c'est mon pote pendant une heure, mais après ça, voilà quoi, il peut me foutre dans la merde. Mais là, il y a deux gardes dans la pièce. Ça va être compliqué ça. Frérot. Regarde, l'autre, il est en train de dormir, mais va dormir toi. Va dormir, c'est bien, c'est bien. On va s'occuper entre nous, on va s'occuper, t'inquiète. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux buter aujourd'hui, les reilles? Non, littéralement, là, c'est... on a juste tué gratuitement, hein, la plupart du temps, faut dire la vérité. Et j'ai pas envie de tuer de mauvaises personnes, ça se trouve. Enfin, quand je dis de mauvaises personnes, je veux bien tuer des personnes qui sont mauvaises, mais j'ai pas envie de tuer des gens qui sont peut-être bien, dans le fond, et qui sont surtout puissants. Non, lui, c'est mon pote, là, t'as capté? Peut foutre la merde, y a pas de souci. Pas des gens qui ont des armes dans leurs cellules, quelque chose comme ça. Mais ouais, le problème, c'est qu'une heure, ça passe vite dans le jeu. Là, c'est déjà passé pratiquement, je pense. Mais c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir qu'il y a cette possibilité, quoi. La corruption, toi-même, tu sais, ça fait des ravages. Et des fois, ça nous arrange. Ah, il est en train de me mettre la pression, lui. Y a pas de souci. Y a pas de souci, mon ref. Y a pas de souci, viens par là, je vais te niquer. Non, c'est pas toi que je voulais. Wallah, c'est même pas toi. Je suis désolé, mon ref. C'est l'autre, c'est lui là. Ah, mais lui, maintenant, il veut ma peau. Oi, oi, oi. Non, pas lui, c'est pas lui. C'est l'autre. Voilà, c'est... Non, c'est pas lui non plus! Je suis désolé, c'était une erreur! À la base, oh là là, mais faut qu'il y ait un système de visée, les gars, c'est pas possible. Ah, il se fout de ma gueule, il me dit que je suis pauvre. Parce que j'ai 10 dollars, genre. On va voir, ouais, si je suis pas riche. Je vais avoir l'argent que j'ai. Regarde l'argent que j'ai! Est-ce que c'est pas réel tout ça? Et elle dit, t'inquiète, ouais, je vais déglinguer John Jackson pour ce qu'il t'a fait. Je sais même pas qui c'est, ouais. Faut que je me renseigne. Ouais, il se passe des trucs bizarres, là. Ils sont potes, eux deux, là? Lui, déjà, je l'aime pas. Hein. Je l'aime pas du tout. Vas-y, viens là. Viens là, toi. Vas-y, c'est ça. Laisse-moi le buter. Voilà, lui, faut que je l'éclate dans un coin. Tant que le garde, là, c'est mon poteau. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, tu restes à terre. Tu te protèges. Hop. Voilà, même le garde, il est en train de m'aider. T'as vu ce que John Jackson m'a fait? Aide-moi à le niquer. Ok, vas-y, je suis pote avec le garde. Vas-y, Khoya. Vas-y, je t'aide. Bah, j'espère que je vais pas te taper pendant le combat, Khoya, parce que ça arrive, hein, des fois, genre par erreur. Ok, il est où, John Jackson? Je te suis. Ah, mais le problème, c'est que lui, il est pas corrompu, tu vois, ça le problème. C'est trop chiant, ça. Un peu de corruption, les reilles, pète un coup. Bon, bah, écoute, on va essayer de pas se battre en sa compagnie, lui, parce qu'il va nous embêter. Voilà. Casse le délire, wallah. J'ai trop envie de le buter, mais c'est compliqué. Hein. Faut que l'autre, il nous aide, sinon là, ça va être compliqué. Ça va être vraiment impossible, quoi. Ah, là, il m'a dit, c'est la fin de la récré, Khoya. Ça veut dire, tu te calmes. En gros, c'est par rapport aux 100 dollars qu'on lui a passé tout à l'heure. Donc là, bon, c'est plus possible de foutre la merde. D'accord, mais c'est bien au moins d'avoir ça en tête, tu vois. Il vient, il te prévient, il te dit, là, je peux plus t'aider, le Khoya. Mais tout à l'heure, je pouvais. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens, mais tranquille. Ok. Je le bute quand même, lui, je m'en fous. Je vais essayer de le buter. Il faut que je le bute à l'abri des gens. À l'abri des gens, Khoya. Là, on est dans un petit coin. Personne va nous voir. Non, personne va nous voir, j'ai dit personne va nous voir. Personne. Non, tu m'as pas vu. Moi j'étais pas là de base. Voilà, j'étais en train de dormir. Ah, et même si tu dors, ça passe pas ici. Voilà. Mais peut-être en vrai dans une cellule, c'est tranquille. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu restes là où t'es. Qu'est-ce que tu veux? On aime pas les blancs ici, mais vous me le dites depuis le début. Oh, c'est écrit Khadma. Je te fais un Khadma. Oh putain, super. Voilà. Ah, en fait, c'est écrit Taqa'ud Khadma. Taqa'ud, la retraite. Travail. C'est quoi ce tatouage, wesh? C'est dinguerie! En fait, c'est vraiment bien que ce soit vraiment de l'arabe. Ah, dis-moi, Khoya. Rien du tout! Mais ouais, j'ai cru qu'il allait me dire un truc important, wesh! Aïe. Bah écoute, des fois, les faux espoirs, ça existe, Yahri. Bon, si je recroise l'autre raciste là, mec, il a dit, ouais, on a besoin de mecs comme toi, vas-y, je sais pas quoi, on va essayer de nettoyer le bloc des gens comme toi. Hein. Non, Khoya, j'ai rien fait. Je comptais le buter, mais non! Tranquille. Attends, mais j'ai confondu ou quoi? Attends. Il y en a deux qui se ressemblent, là. Mais oui, il y en a deux qui se ressemblent. C'est lui, le connard, en fait. T'en as un, il est avec lunettes, et t'en as un, il est sans lunettes. Et c'est celui avec lunettes qui est un bâtard, en fait. Merde. J'espère que tout à l'heure, j'ai pas cassé la gueule au mauvais mec. Il dit que la prison, c'est un endroit difficile, Khoya. T'as besoin que quelqu'un soit là pour what? Je peux t'offrir ce genre de protection. Donne-moi 60 dollars et je serai là pour toi. 60 dollars. Vas-y, voilà, ça va. C'est pas mal. Fais tes bails et t'inquiète. Ok. Tu penses que grâce à lui, je pourrais buter l'autre, là?
C'est lui que je veux buter. J'essaie de le suivre en fait, j'essaie de voir. Vas-y, 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 rentre dans une cellule, c'est bien. Vas-y, 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 c'est bien. Vas-y. Ok, les choses se passent. Tu me défends l'autre ou pas? T'es parti où? Oh putain. Maintenant, le mec qui est censé être mon pote. Bah, c'est pas mon pote. On doit sortir de la cellule. Oh putain, maintenant il veut me taper. D'accord, d'accord, j'ai compris. Je sors de là. Laisse-moi juste le temps de sortir. Voilà, c'est bon. Je suis hors de la cellule. C'est pas facile, hein. Et lui, il était pas là pour me défendre du tout. Hein. Ok, la cantine. Bon, on va essayer de partir à la cantine parce que depuis le début, on n'y est pas parti. Mais c'est un ouf, lui. Il m'a dit, t'as déconné, wesh, c'est la dernière fois que je te demande de me faire un truc. Ah, parce qu'il m'avait demandé d'aller voir dans une cellule s'il y avait quelqu'un ou je sais pas quoi. Eh, salut frérot, je suis nouveau ici, j'espère qu'on peut être amis. Ouais, si tu veux, on peut être pote, ouais. On va voir, il faut faire tes preuves. L'autre, il est toujours en train de me suivre, en fait. Ouais, mais après que l'heure va passer, ouais, il va partir. Là, dans quelques minutes, c'est fini, là. Ça aurait été bien que j'ai tout le temps un gang avec moi, tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui me défendent peu importe où je vais, tu vois. C'est ce genre de niveau que je veux atteindre dans le jeu. Et ça, c'est compliqué. Ok, donc go la cantine. Mais depuis quand il y a des ballons dans le jeu, wesh? Hey, wesh! Je sais que tu es responsable de la mort de Paul Nixon. C'était un très bon ami à moi. Et je ne serais pas tranquille tant que... Bref, t'as capté, c'est le même genre de truc qui se répète. Regarde comment mon frérot, il veut le mêler. Oh! Oh, ça... Mais j'étais pas sûr qu'il le ferait. Incroyable. En fait, n'importe quelle personne qui vient de parler mal, c'est ouf, ça se fait immédiatement. Oh, lui, il me remercie d'avoir éclaté Kid Gloves. Mais Kid Gloves, ça se voit que c'était un bâtard, en fait. On a bien fait de le buter. Et des fois, je t'ai dit, tu as buté la mauvaise personne. Donc, faut faire attention des fois. Enfin, tu peux pas savoir, en vrai. Mais c'est trop bien, lui, il m'aide. Allez, parlez-moi mal, les Hey, parlez-moi mal. Vas-y, on va bien rigoler. Eh, frérot, tu penses que t'es vraiment un bonhomme? Eh, j'ai mon pote avec moi, il va le niquer, j'espère. Moi, je suis là pour meurtre. Et c'est encore pire. C'est le même scénario qu'avec Kid Gloves, hein. Moi, je vous rappelle. Putain, mais j'ai rien fait, ouais. Il y a du terrorisme, les Hey, qui se passe? Putain, mais c'est pas vrai, faut qu'on se taille. Mais lui, il est en train de me présenter la cantine. Il me dit, hé, hey, ouais, tu peux venir ici pour manger, te restaurer, des fois tu peux travailler. Mais ça va pas. Mais non, mais. Il n'y a rien qui va ici, c'est pas possible. Je veux me tailler d'ici. Il n'y a vraiment rien qui va, sa mère. Vas-y, viens, on se taille. Oh, y a, mais quoi? Pourquoi tu m'en mets, toi, un coup de matraque? T'inquiète, je vais l'éclater pour ce qu'il t'a fait. Bah oui, en fait, n'importe quelle personne qui te touche, il vient l'éclater. Je crois, même un garde. C'est incroyable. Ça veut dire, là, je peux taper un garde. Et ça peut se passer très bien. Vas-y, on va rigoler. Alors, allez, vas-y, mon ref, fais quelque chose. Il m'a éclaté, il m'a fait mal. Là, tu vas me tuer quand même. Doucement. Je crois qu'il est déjà occupé, le Hey. Oh, putain, c'est grave. C'est bon, j'ai pas fait exprès. Ouais, j'étais en train de tester un truc. C'était pour mon pote. Regarde, l'autre, il a chopé une matraque carrément. C'est un truc de fou. De se faire des potes en prison, c'est un truc de dingue. Alors, je vais voir ce que mon pote va faire là. Est-ce que mon pote va réagir? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce que. Voilà. Lui, là, il m'a fait quelque chose. Faut que tu le butes. Faut que tu fasses quelque chose. Il est derrière toi, voilà. Oui. Alors là, c'est pas mon problème. Si tu te fais buter, Roya, je t'ai donné 100$. Hein. C'était à tes risques et périls. Je dois y aller, wesh. Peut-être qu'on fera affaire une prochaine fois. Bah, j'espère aussi, mon Hey. Je suis désolé pour le préjudice moral et physique, mais bon, c'est toi qui m'as proposé, j'ai accepté. Voilà. Bah, si tu continues, moi, ça me dérange pas. Ah, mais là, il a pété un câble, en fait. Genre, même moi, si je me tiens sur son chemin, il va m'éclater. Alright, les Hey. Nous restaurâmes. Voilà. Ah bah non, on mange même pas là. Peut-être qu'en fait on est full, c'est pour ça. En fait je crois que ça c'est quand tu remplis ta barre d'énergie en fait en mangeant. Mais vu que... Ah bah si, en vrai on aurait bien besoin de manger en vrai. Faut dire ce qui est. Vas-y mange, voilà. Là tu manges comme il faut. C'est ça qu'on veut. Ça c'est des bons bails. Bon après en termes de nutrition, je sais pas si c'est le top mais bon. Allez au moins 3000. Voilà, 3000 croyant. Est-ce qu'on est respecté avec autant d'argent? Je ne sais pas. Ça aurait été bien quand même s'il y a des mecs qui peuvent des fois te voler ton fric et tout. Oh, il est mort lui? Voilà, j'espère qu'il est mort. Parce que je crois que c'est lui le bâtard qu'on aime pas. Quoique, attends, est-ce qu'il a des lunettes normales ou des lunettes de soleil? En vrai, je crois que c'est une lunette de soleil, mais le verre droit de la lunette de soleil, enfin des lunettes de soleil se sont éclatées. Mais ouais, attends, je vérifie juste un truc. Voilà, c'est bon. Là, je crois qu'il est mort. Il est vraiment mort. Mais il y a un gun ici, les gars, ça va pas. Oh. Problème, les gars, c'est qu'il y a genre 3 gardes. Donc là, si tu butes un garde, t'es vraiment dans la merde. Si tu butes quelqu'un, en vrai, tu vois. Donc là, pour le meurtre là-bas, je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre la tôle en plus. Voilà. Voilà, il a enfin ramassé. Ah, ils sont en train de se battre pour l'arme. C'est quelque chose, hein. Oh, Miskin s'est pris une hagra, wallah, cheikh. Je crois que c'est le mec qu'on aime pas en plus. Ah non, c'est pas lui, c'est un autre. C'est pas grave. Eh, c'est vraiment la merde. T'imagines des gardes qui peuvent se tuer entre eux? Attends, je teste un truc. Oh, pas mal. Oh, Miskin.
Non, je voulais pas ça, je voulais pas ça. Oh non! J'ai vu ce que t'as fait à Matt Bryan avec ce truc! Mais ouais, ce n'est pas une arme, c'est un ballon. Mais il y a un garde qui est mort là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la cantine aujourd'hui, les Rey? Oui, on va laisser tomber le ballon si tu veux, mais on va bien rigoler. Si on va jusqu'au procès, on va bien rigoler, ma gueule! Les gars, qu'est-ce qui se passe, wesh? Donc c'est le mec juste avant, il est venu nous parler. Il est déjà mort. Mais vraiment, c'est dur, c'est pire que le précédent épisode, les Rey, je vous jure, il s'est pas passé autant de dingueries là. Là, c'est trop, il y a une mort à la minute là. Attends, ça veut dire qu'il reste deux gardes. C'est pas mal en fait. Si on tue les deux gardes, on pourra faire tout ce qu'on veut, on pourra tuer tout le monde ici. Est-ce que vous réalisez? Là, lui, déjà, il a l'air d'être mal. Oh la dingue. Oh la dingue, il veut ramasser ça. Oh là, t'es un ouf, il va jamais ramasser ça, ma gueule. Oh, il est mal, il est mal, il est mal. Il a dit, ce garde, c'est un pote à moi, Khoya. Mais je crois qu'il est mort. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois que le coup que je lui ai mis, c'était le coup fatal. Attends, frérot, qu'est-ce qui se passe là? Attends, on va bouger. On va bouger, les Khoya. Oh putain, il y a un mec qui l'a agressé avec une hache ou une je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention! Il y a un garde qui a été incarcéré pour corruption. Et je te jure, on dirait le même mec qui nous parlait là. Il sera connu sous le nom de Liam WC. Dans les WC. Cellule 7, Block West. Non mais est-ce que vous réalisez ça? Il y a deux... Oh, les trois gardes sont morts. Les trois gardes sont morts. Bon, déjà, il est où le gun? Parce que là, ah d'accord, d'accord, d'accord. Bon, je crois que ça va être vraiment un bain de sang les Rey. Je suis désolé de le dire, mais bon. Eh, t'es en train de me suivre ou quoi? Oh là, je te suis même pas, je m'en fous de toi. Je suis le mec qui a un gun. Vas-y, je me mets sur une table carrément. T'es inatteignable sur une table. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je chope un gun et que je me mette sur une table. Personne ne va me toucher. Faut juste que j'éclate le mec qui a le gun. On va essayer de le prendre par surprise. Et voilà! T'avais trop pris la confiance! Oh non! Ok, attends. Je ramasse juste l'arme. Tu cours avec. Tu cours. Tu cours. Attends, cours. Et je me mets genre halle. Là, je pense honnêtement qu'on est en sécurité. Vas-y. Ils vont rien me faire du tout. Vas-y, fais ce que tu veux. Tout le monde court pour sa vie. Wesh, il a une machine gun. Ouais, mais j'aurai jamais autant de munitions pour vous déglinguer tous, les Rey. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu fais le malin, toi. Hein. Tu fais le malin, toi. Hein. Dit, frérot, j'étais assis ici. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ouais, je suis désolé, mais tu m'as emmerdé. Wesh! Je pensais que c'était une protection! Les mecs, ils arrivent à grimper! Oi. Non, mais là, tu te rends compte de l'occasion en or que c'est? Eh, s'il faut, je passe toute la nuit ici, je déglingue tout le monde. Sauf mes potes. Mes potes, ça me dérangerait de les buter. Hein. Ah, si je me mets ici, Khoya. Ça passe. Théma, ce qu'il fait, lui? On dirait qu'il est en train de se dire, ah putain, c'est la merde, il s'est mis sur le comptoir. Effectivement! Si je mets sur le comptoir, c'est la mort! C'est la mort pour tout le monde! Ok, j'ai attaqué un membre de gang. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais voilà, quoi. Bah écoute, il avait pas qu'à se tenir devant moi. Il y a un mec qui me propose un job, mais je m'en fous, en fait, tu vois. Ça aurait été trop bien de pouvoir skip ces dialogues qu'on n'a pas envie de voir! On s'en fout, frère, je suis trop occupé à vouloir tuer des gens! Mais c'est un ouf, il vient à peine de me confier sa mission, entre guillemets, il me dit, Khoya, tu as déconné, t'as pas fait ce que je t'ai dit, je sais pas quoi! Bah laisse-moi le temps. Il se relève ou pas? Ah, il se relève, voilà. Mais je sais pas si tu vas te relever la prochaine fois. Hein. Arrête, s'il te plaît! Je ne peux plus supporter! Est-ce que tu me laisses tranquille pour 190$? Je sais pas. C'est intéressant comme offre. D'accord. Ok. Mais si je vais te laisser tranquille, voilà, ça je sais pas. Hein. C'est très rare qu'on tue des gens dans ce jeu, tu vois? Donc vraiment, ça serait pas mal. Mais te relève pas, ma gueule! Ah putain, j'ai mis une balle dans mon... Oh, mon poteau. Eh, fais gaffe à ce que tu fais, Khoya, c'est un ami à moi, oui. Mais même lui, c'est un ami à moi, de base. Confinement, Khoya, nous, on dort pas. Il est 22h, on est censé être chacun dans nos cellules. Mais on est dans la cantine, Khoya. Pourquoi? Parce que c'est la fiesta. C'est sur le comptoir, Yahri, j'adore! Oh non. Oh non, les Khoya. Le moment tant redouté! On a plus de munitions. Bon. Va falloir qu'on s'en sorte différemment. Ok, non mais je t'avoue, je me dis, on se fera pas trop des amis, tu vois, si tout le temps on est là, on se tape et tout ça, tu vois, on tue des gens. Je sais pas, je me dis, c'est pas très rentable. Mais on essaie de se faire respecter, la vérité. Je t'éclate, membre du gang ou je sais pas quoi. Aïe, t'es rapide quand même, toi. Tu remets du ballon. Tu veux du ballon, t'auras du ballon, Khoya. Tu menaces, tu m'as pris pour qui, Khoya? Je vais te finir. Aïe. Viens, tu fuis maintenant. Il voulait aller te choper l'arme, mais il n'y a plus rien dans l'arme, Khoya, je le sais très bien. Attends, je crois qu'on l'a tué, le mec, ici. Hein. Oh, putain. Mais c'est pas vrai, et on fait un taf de malade, est-ce que vous réalisez? Ça va, on a fait un mort de plus, c'est pas mal. Et lui aussi, il est mort, du coup. Ah, il pourrait balancer ce que j'ai fait. D'accord, donc il essaie de me soutirer de l'argent. J'en ai rien à foutre, frérot. Et attends, mais tu crois qu'il va y aller tout de suite ou pas? De toute façon, avant qu'il parte, je vais le tuer. Je vais te tuer, Khoya. Il m'a dit, oh, Khoya, j'ai vu ce que t'as fait, je vais aller balancer. Tu vas rien balancer du tout. Parce que pour balancer, faut être vivant, Khoya. Vas-y, va balancer dans cet état maintenant, va balancer. Tu peux balancer comme ça. Oi. Rappelle-toi, t'as besoin de rencontrer un mec qui s'appelle Nick VC. Mais on s'en fout! Putain, il est vraiment mort. Oh, c'est incroyable. Ça va, donc pas de témoin. Par contre, Khoya, tu commences à m'embêter, toi. Comment ça, tu me donnes des ordres? Tu me regardes pas comme ça, à moins que tu veux un combat. Ouais, Khoya, bah y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, Khoya. De toute façon, tu m'as pas tant défendu que ça.
Putain, mais là, par contre, vraiment, c'est vraiment pas de morale, pas, rien du tout. Ça n'a pas de sens. C'est reporté comme en 46. Alors là, les chais, c'est un bon sens, vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 morts. 7 morts, 8 blessés. Malubulule, je sais pas ce qu'il dit. Bon, bah, moi, je vous dis la vérité. À partir de maintenant, vu qu'il y a quand même pas mal de morts, s'il y a juste une personne qui me cherche, on la bute. C'est juste ceux qui cherchent des problèmes qu'on bute. Ou bien qui nous menacent de poucave. Tu vois ce que je veux dire? Hey, wesh, qu'est-ce que t'as fait? À ce qui paraît, t'es wanted pour meurtre. Heureusement pour toi, j'ai besoin d'argent. Et peut-être que je pourrais être coupable pour toi. Parce que c'est vrai que là, ça se trouve, si on sort de là, dans tous les cas, on va donner de l'argent. Ça va être peut-être un garde ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il y a trop de témoins. Donc peut-être que quelqu'un d'autre pourrait porter le chapeau à ma place. Mais est-ce que je peux lui faire confiance? Eh, je sais pas. Peut-être que je pourrais tous vous tuer, en fait, au final. Ouais? Peut-être que je pourrais tous vous tuer. On va voir comment ça va se passer. Et là, il nous redemande de l'argent encore une fois. J'en reviens pas. Mais mec, tu te souviens pas, c'était à 2 secondes. Heureusement, je suis un mec qui a de la compassion, donc pour 1000 balles, ça passe ou pas? Non, ça passe pas! J'espère que tu meurs. Te relève pas! C'est bon, je crois qu'il est mort. Ouah, super! On a tué un autre mec! Ah, il nous a menacé de poucaverie. Par contre, les chais, là, ça va bientôt être la fin du confinement. On a passé toute la nuit ici. Et il y a beaucoup de témoins. Comment ça se passe là? Le problème, c'est que ça serait long de tuer tout le monde là. Je vous dis la vérité, ça va être long. Lui, il est mal. Vas-y, on va faire quoi? Tous les gens qui sont mal, on les bute, tu vois? Donc, ils sont déjà entamés. Voilà. S'il te plaît, laisse-moi tranquille pour 100$! Tu me laisses tranquille? Oui, bien sûr, je te laisse tranquille, frère. N'empêche, on a fait vraiment beaucoup de marge sur ça. Le nombre de fois que des mecs nous ont dit pour 100$ ça passe, et ça passe pas finalement. Il a dit vraiment, t'es très gentil. Voilà, normalement, ça passe dans la calvasse. Oh putain, il en reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tu sais ce que c'est que tuer encore 8 personnes, et c'est complètement ouf. Mais le problème, à partir du moment où on sort d'ici, hey, y a moyen qu'on prenne genre 1 an en plus. Donc les chais, on peut pas prendre ce risque. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ah déjà, qui c'est qui nous a fait chier de ouf ici? Lui là, oh putain. Tu vois, là il commence à nous faire du chantage. Eh ouais, j'ai vu ce que t'as fait. Sinon on soudoie tout le monde et c'est tout, tu vois. Et on n'est pas obligé de tuer tout le monde, mais c'est toujours compliqué. On sait jamais, il peut revenir plus tard, te parler. Roya, tu sais, je sais toujours, je me suis rappelé de ce que t'as fait. On a dit, on s'en fout, Roya. Je vais t'envoyer à la retraite. Il faut vraiment que je l'éclate. Avec la hache. Oh, avec la hache, ça va plus vite en fait. Fais gaffe à ce que tu fais, Roya. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attention, Roya. Oh putain, ils sont contre moi là. C'est pas juste là. C'est pas juste. Oh non. Putain, il a attrapé le bâtard. Allez. On va essayer d'éclater l'autre là. Il faisait trop le malin. Tu joues à ça, mec, hein. Allez, reste au sol, mec. Mais comment il est aussi fort que ça, lui? Allez, dès que tu te relèves, t'es mort. Voilà. Je crois que ça en fait un autre de mort. Mais en fait, c'est un truc sans fin. Parce qu'il y aura toujours des témoins. Et ils vont toujours nous faire bah, du chantage. T'inquiète, frérot, je vais aller choper Apocalypto. Ou Apocalypto pour ce qu'il t'a fait. Si t'es de mon côté, ça me dérange pas, frère. S'il te plaît, wesh, arrête-moi ça. Oh, frère! On dirait une vue FPS. On voyait à travers les lunettes littéralement, mais vu qu'on s'en foutait totalement, regarde. Ça, c'est les lunettes de la badassitude. Les lunettes de je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ah, il a dit dégage, regarde, je peux éclater un mec comme Apocalypto. Oh, tu vas l'éclater, bon, vas-y. Vas-y, regarde, occupe-toi de lui. Enfin, on dirait pas que tu t'occupes, hein. Alors là, c'est plus lui qui est en train de me faire des bails. Hein. Vas-y, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui va s'occuper de lui. Lui, il est en train de paniquer, il est en train de dire oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il fait quoi? Ah, il est en train de se peigner, en fait. Attends, je rêve. Où c'est l'officier de police, il est par terre et est en train de me dire « Eh mec, t'as pas à toucher un officier de police ?» Oh non, on a fait bugger le jeu, les chais. Ne dis pas, il va se relever. Il a les yeux ouverts et il se passe des trucs bizarres. Je vous jure, je pense que c'est du jamais vu. Non mais regarde-moi ça, je te jure, c'est lui qui parle là. C'est le gardien. D'accord. Mais gros, si t'es encore vivant, je te rajoute. Mais c'est un mort vivant, je comprends pas. Tu meurs, Roya, s'il te plaît, meurs. Non mais lui, il veut vraiment pas mourir, hein. Allez, reste au sol. Ok, il est mort. Oh, enfin, il est mort. Waouh, pourquoi il me colle, lui? Je passe le balai, Roya, bouge ta race. Par contre, c'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé ici. Vraiment, le garde, il commence à nous parler, des bails comme ça. Est-ce que quand on tape les autres, il y a encore du sang qui s'affiche des... Quoi? Wastarvola, ce qui se passe? Non. Attendez, les chais, faut qu'on se taille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, les chais, non, pause. What? Il m'a fait peur. De 1, il m'a fait peur, et de 2...
je m'attendais pas à ça. Oh mon dieu, on a fait tout ça les Khay, et il a été témoin, mais en plus il était par terre, genre face au sol. Oh non, je me taille, c'est bon, je me taille. Et je me taille d'ici, c'est pas possible. Ou bien je le déglingue quoi, mais ça va être difficile. Il est où? Il est de l'autre côté. Il y a des morts partout, mec, il y a des morts partout. Butez-le les gars, butez-le. Voilà, c'est bien. Mais non, pourquoi il se défend trop bien là? Ça m'énerve. Oh non. Il voulait me choper, t'as vu? Oh putain, il a dit que j'ai tué Andy Mather. C'est qui Andy Mather? C'est un gardien? Oh les Khay, je crois qu'on va payer pour tout ce qu'on a fait. Pourquoi il se relevé? Pourquoi il s'est relevé? Il était mort. J'ai commencé à le taper, il s'est relevé. Il est revenu d'entre les morts. Voilà, j'ai peur. Je vous dis honnêtement, les Khay, j'ai peur. Parce que là, on a tué plus de 10 personnes, je crois. Donc, sincèrement, c'est hoche. Ça, c'est hoche. Je n'ai pas tué Andy. J'étais là-bas quand c'est arrivé. Mais j'étais pas responsable de sa mort, c'est vrai. Je sais pas qui c'est. Franchement, je sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est un prisonnier, je pense. Putain, j'espère vraiment que ça va être en notre faveur. Parce que si c'est pas en notre faveur, ça va être compliqué là. Parce que un meurtre, je crois que dans le jeu, un meurtre, tu vas prendre 30 jours de plus. J'espère trop que ça va mettre la caméra sur nous. Si ça met la caméra sur nous, c'est que c'est en notre faveur. Putain! Non! Tu as tué Andy parce que tu n'as aucun respect pour la vie humaine, d'accord? Ouais, j'ai un peu peur. Tu vas me dire combien? Tu es une menace pour la société et je ne vais pas... Quoi? Il m'a rajouté 9 jours? On a pris 9 jours pour meurtre? Seulement? Oh là, j'ai cru qu'il allait me rajouter, je sais pas, 5 mois? Non, après, voilà, c'est censé être des pénalités dans le jeu. C'est long. Oh putain, regarde, ça va commencer à défiler les annonces de mort. Oh putain, les Khay. Le nombre de morts et le nombre de gens qui vont venir nous dire « Khoya, je sais que t'es responsable pour la mort de l'autre. » Mais il y en aura tellement, en fait, qu'on aura tué, on saura même pas c'est qui. Faudra mettre les photos, les Khay. Voilà, là, ça enchaîne encore. Ça vient à peine de finir. Ah non, c'est un autre truc, ça. Un nouvel officier appelé Warden Foster, je sais pas quoi. Ok. Donc, il y a un... Non, c'était pas une annonce de mort, ça, par contre. Waouh, les Khay. Franchement, c'est compliqué. Je sais que t'es responsable pour la mort de l'autre, là. Ben non, frérot, j'ai rien fait, wesh. C'est bon, oh là là. Je me rappelle même pas l'avoir tué, celui-là. Non, je vous avoue, ce qui s'est passé, là, les Khay, c'est quand même exceptionnel. Et pas forcément dans le bon sens. C'est cruel. Voilà, faut dire ce qui est. On a tué trop de gens. Et je sais même pas pourquoi. Peut-être pour l'amusement. Je sais pas, mais même de dire ça dans un jeu, ça paraît un peu horrible. Mais bon, après, voilà. C'est la dure loi de la street. Tuer ou être tué. Du coup, là, il y a un garde qui est en train de me dire Bsahtek, t'as tué l'autre. D'accord, c'est pas mal. Donc si on peut gagner le respect des gardes et des prisonniers par moment, ma foi, c'est pas mal. Wesh, il a un gun lui. Il a trouvé un gun ici. C'est un truc de ouf. Et il y a qu'un seul garde ici. En fait, pourquoi je peux pas m'empêcher de vouloir tuer des gens dans ce jeu? C'est pas possible, wesh. Non, mais par contre, si tu te fais choper avec une arme ici. Oh là là! Chope-le, garde, il a un truc. Voilà, c'est ça. Il se passe des. Pff, oh vas-y, c'est bon. Non mais on s'est assez battu comme ça, les Khay. Oh là, j'en ai marre de souffrir et faire souffrir les gens. Instruisons-nous un peu. Voilà. Au lieu de nous détruire. Là, on a fait que de se détruire. Détruisons-nous, non, instruisons-nous. Ah, ça fait plaisir. On peut faire du tri de dossier. Tu te mets là, tranquille, tu fais de la maille, tu fais de la moula. Tu l'as fait un peu lentement, mais tu l'as fait quand même. Salut, toi. Tu veux me parler ou quoi? On tourne autour, lui. Il est un peu bizarre. C'est chelou. Ah bah super. Il a commencé à me taper, et finalement, c'est le garde qui l'a tapé. Ok, j'essaie de voir les différentes personnes. Andy Mathers. Ah, c'est lui que j'ai buté, en fait. Au niveau des rencontres, comment ça se passe? Qu'on connaît des gens? Ah ouais, lui, là. Lawyer Grimm. C'est lui, là, qui s'est relevé d'entre les morts. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas comment ça s'est passé. J'arrive pas à me le mettre dans la tête, là. C'est pas possible. Ou bien c'est Warden Luther. Regarde la photo de ça, mon ref. J'étais en train de lui faire des bisous dans le cou, là. Macho Man, il s'appelle. En plus, je crois qu'il est mort. Je te jure, je crois qu'on l'a tué, Macho Man. En fait, il y a des mecs dans l'ordi qui, en fait, bah, ils sont plus là. C'est un peu dommage. C'est un peu triste et dommage, ouais. C'est quoi tout ça, là? Il y a des armes, là. Oh, une barre de fer. Oh, il y a que le garde et moi, là. Salut, mon ref. Pour travailler, là, c'est pour travailler. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des armes. Oui, il fait quoi, lui? Il fait quoi? Pourquoi il s'est énervé comme ça? Je crois que c'est un endroit où tu assembles des armes. Genre là, c'est matraque. Là, je sais pas c'est quoi. Mais attends, là, on peut assembler une arme. Attends, on va voir. Si on l'assemble, on peut l'utiliser après. Parce que ce serait pas mal. Tu crées des produits, mais après, tu peux t'en servir. T'as intérêt à la créer, cette arme. Waouh! Mais mec, si je savais qu'on pouvait faire ça. C'est incroyable. Te relève pas, mec, te relève pas. Et t'assois pas non plus! Tu restes là où t'es! Vite. Allez, s'il te plaît. On lui a mis combien de bastos, là? Mais il veut pas mourir. Je suis choqué de comment il est robuste. C'est bon? Je crois que c'est bon, les Khay. Ouah, ça a pris du temps. Mais du coup, voilà, c'est là l'endroit pour fabriquer des armes, quoi. Et tuer des gardes. C'est un truc de fou. En espérant qu'il se relève pas. Je vérifie. Ouais, y a plus de munitions, de toute façon. Wouh!
D'accord. Bon, un jour, il va falloir que j'arrête de tuer des gens, hein, quand même. Mais là, il n'y a pas eu de... témoins non plus. C'est pas trop ce qui s'est passé. Attention, Warden Lawler a été trouvé mort. Ça veut dire, des fois, même quand on n'est pas en danger, il y a comme un mécanisme de paranoïa qui s'active dans mon crâne. Et après, on veut tuer tout le monde, en fait. Parce qu'on se dit, on est en danger. Même si on se dit qu'on n'est pas en danger. Enfin bref, je sais que c'est pas logique, mais je me comprends. Je vous rappelle, on s'est déjà fait Hagar de fou malade auparavant, et voilà. Ah, et du coup, maintenant, il va y avoir un nouveau mec, Warden Carter, qui sera à la place du mec qu'on vient de buter. Il a été remplacé très vite, quand même. Hein. Donc là, ça veut dire on peut retourner là-bas et le buter. Hey, je sais que t'as été responsable de la mort de Warden Lawler. C'est vrai qu'il était seul et qu'il y avait que moi avec lui. Quand je suis ressorti de là-bas, il était mort. Mais ça ne prouve rien. Voilà, c'est juste des suppositions. Pas de preuves vidéo, quoi. Genre, voilà, quoi. Eh, hey, frérot, merci d'avoir déglingué Paul Nixon. Ah, mais ça, c'était il y a longtemps, mon ref. Ça, c'était dans la douche. Wesh. Attends, viens, on dégage ici. Eh, hey, frérot, j'ai entendu que t'étais ici pour meurtre. Bah, ouais, je veux dire, malgré moi. De base, j'étais là pour vol, mais après, c'est devenu meurtre, malencontreusement. Des animaux comme toi, ils devraient être dans une autre prison. Moi, je suis seulement ici pour agression. Bah, c'est pas gentil, mon ref. Là, je suis déçu. Je pensais qu'il allait me dire, genre, un truc en mode, ouais, je sais que tu l'as pas fait, je sais pas quoi, comme d'autres m'ont dit. Mais ouais, c'est vraiment, c'est pas très gentil, quoi. Non, peut-être qu'on s'est fait un peu trop d'ennemis, en fait, en tuant tout le monde. C'est vrai que des complications peuvent survenir. Attends, j'ai envie de rentrer ici pour voir, est-ce que c'est toujours le garde chauve que j'aime pas qui est là ou pas? Parce que normalement, dans le bloc nord, ah non, après ça va devenir des choses aléatoires. Ouais, c'est pas tout le temps les mêmes gardes. Ok, c'est noté. Ah, faut que je parle à ma famille, les Hey, quand même. La famille d'abord. Allô, c'est qui? Je voulais parler à quelqu'un qui s'appelle Zanzibar. Merde, je pensais que c'était pour moi. Bon, ma famille s'en bat les steaks de moi. C'est un peu triste. Moi, je pensais beaucoup à eux dernièrement. Hein. Salut! Je sais pas qui t'es, mais écoute, si tu me fais une faveur, tu vas pas le regretter. Bref, j'ai besoin de ramener une barre de fer à un gars qui s'appelle Wiseland dans l'Ouest Block. Bah, il est dans mon bloc. Si tu pouvais lui en ramener une, ça serait bien. Ouais, vas-y, pourquoi pas en vrai. On va dans le workshop, on chope une barre de fer et on se taille. Et on va dans le bloc ouest. Et peut-être que on peut devenir pote et tout ça, tu vois. Même si en vrai, on est déjà pote, plus ou moins. Mais en fait, c'est plus des bails de j'ai envie quand même d'être dans un gang. Ça serait bien. Mais après, les gangs, il me faut toujours des hagras, tu vois, c'est pas cool. Là, ça va être dur. Ça veut dire, là, faut vraiment faire vite, tu vois ce que je veux dire ou pas. Un nouveau prisonnier du nom de Duke Nukem sera dans la cellule 11, bloc sud. Putain, regarde l'arme, elle est là, c'est une dinguerie, wesh. Attends, j'essaie de prendre une barre de fer. Elle est juste là. Voilà, voilà, je me taille. On se taille avec rapidement. Faut pas que le garde nous chope ou quoi. Voilà. Oh putain, regarde. Qu'est-ce que tu fais avec cette barre de fer? Rien du tout, mon ref, j'ai besoin de me tailler. Je lui dis, ouais, bien sûr. Mais je suis pas ton pote, ma gueule, je suis pas ton pote! Et voilà! Maintenant, faut pas que je me fasse choper par les mecs. Ah, attends, mais là, eux, ils peuvent me choper. Hein. Ils peuvent me voir, ils peuvent me dire, hé, mais mec, relâche-moi ça. Oh non. Oh yo yo, regarde. Ils sont en train de me parler, les mecs, je m'en fous. Bloc sud. Attends, il me faut bloc ouest. West block, et là, je chope le frérot. Je sais pas. Ah, c'est là. Viens. Mec, c'est à toi. Voilà, c'est à toi! Eh frérot, j'ai reçu un appel qui m'a dit de te ramener ça. J'espère que ça va vraiment devenir mon pote. C'était difficile quand même, j'ai pris des risques. Ok, merci mon ref, tiens, $100. C'est juste ça en fait. Moi, je pensais que, bon, bah écoute, c'est intéressant, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Et l'amitié, ça vaut bien plus que $100. Pourquoi il y a un garde dans ma cellule, Royan? C'est quoi ça, hein? Mais ouais, j'étais dans ma cellule, mec! Eh, vas-y, ça m'énerve, les gens. Ok, je me suis retrouvé dans une autre cellule. Non, mais là, il a pété un câble, je crois qu'il est malheureux de ouf. Ah, c'est le mec à qui je viens de donner une barre de fer. Ah, mais t'as pas intérêt à le tuer quand même. Moi, je vais pas intervenir hein, parce que je trouve qu'on s'est déjà assez sali les mains comme ça. Très bien, maintenant il y a une barre de fer ici. C'est pas mal. Et maintenant c'est confinement. Maintenant c'est ma barre de fer. Attends, si je dors à côté comme ça, je la garde ici. Ok. Et personne ne pourra venir la récupérer. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est peut-être inquiétant vu le nombre de cadavres qu'on a laissés sur notre passage. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, mais bon. Je pense que vous comprenez, c'est des bars. C'est vraiment des bars. On a commencé à 40 jours, cette fois-ci à 54. Peut-être que la prochaine fois, on fera mieux. On va voir. Je crois que j'ai pas compris le but du jeu. Le but du jeu, c'est de sortir de prison. Nous, on se met en prison pour foutre encore plus de merde. Non, faut dire ce qui. Après, c'est trop tentant quand t'as une arme entre les mains, tout ça. Surtout maintenant, on vient d'apprendre qu'on peut choper une mitraillette dans le workshop, dans l'atelier. Voilà quoi. Mais bon, dans tous les cas, si je fais un autre épisode, je pense qu'on va essayer. On va essayer de tuer moins de gens. Voilà, après, je sais pas, peut-être qu'on va trouver un moyen de tuer encore plus de gens, mais bon. Le but, c'est quand même, voilà, j'ai envie de voir l'évolution des relations entre les prisonniers, tout ça. Chose qu'on n'a pas beaucoup développée aujourd'hui. Mais on a quand même vu certaines choses qu'on n'a pas vu la dernière fois, ça fait plaisir. Prenez soin de votre vidéo. Peace!